Avec cette vidéo, nous allons découvrir comment tester les manuels numériques et leurs principales fonctionnalités. Tous les manuels numériques peuvent être accessibles en ligne, en local, c'est-à-dire sur votre ordinateur, et sur clé USB. Il existe également des applis tablettes, Android, Apple et prochainement Microsoft. À partir du site internet manière.fr, rendez-vous sur la page du manuel numérique que vous souhaitez tester. Nous allons prendre l'histoire géographie seconde. Cliquez sur le manuel numérique enseignant, puis sur le bouton tester. Ici, vous devez vous identifier. Vous pouvez naviguer dans votre manuel à partir du sommaire situé à droite. Les différentes parties du manuel sont indiquées. Ou également à l'aide des flèches situées de part et d'autre du manuel. Prenons le cours sur la Révolution française. Vos pages sont composées de plusieurs blocs. Il suffit de cliquer sur l'un d'entre eux pour qu'il s'affiche en pleine page et vous pouvez également fermer le sommaire. Vous pouvez également utiliser la loupe pour agrandir un document en sélectionnant la zone concernée. Votre manuel est enrichi de ressources. Elles seront indiquées par ce petit pictogramme. Elles sont également toutes référencées par catégorie dans l'onglet « Documents et ressources » situé ici. Pour ce document, par exemple, vous avez une vidéo, mais également des documents complémentaires avec une synthèse du chapitre et un schéma bilan. Certaines ressources sont intégrées directement au manuel papier et sont cliquables sur le manuel numérique. Elles sont indiquées par ce petit picto. Votre manuel est aussi personnalisable. Il suffit de créer une page modifiable en cliquant sur le petit plus en haut. Vous pouvez renommer votre page. Vous pouvez supprimer du texte ou en ajouter. Vous pouvez également attacher une vidéo, un fichier audio ou tout type de document directement sur le bloc. Nous allons attacher une vidéo qui se trouve sur notre ordinateur. La ressource apparaît en bas du bloc. Le pictogramme apparaît indiquant que la ressource a bien été ajoutée. À l'aide de cet outil, vous pouvez également comparer deux documents. Vous pouvez prendre des documents d'une même page, mais également de deux pages différentes. Vous pouvez également remplacer un document par un autre de votre choix que vous avez enregistré sur votre ordinateur. Le document a été modifié. Il est également possible de lier des documents ou de créer un lien vers un site internet. Ces éléments apparaîtront en haut de cette page avec un petit pictogramme de trombone. Retrouvez tous vos manuels libres dans votre bibliothèque en cliquant sur Accueil. Et maintenant, à vous de tester le manuel numérique de votre choix.